Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je reprends l'évangile du 14e dimanche après la Pentecôte. Je relis juste le début. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Je voudrais aborder aujourd'hui, justement, pour continuer d'aborder ce monde qui n'est pas celui de Dieu, qui est celui qui a choisi l'empire que promet Satan, de gloire, de domination, ses royaumes, que promet Satan à ceux qui l'adorent, cette glorification en faisant exalter au-dessus du temple, sur le pinacle du temple, comme étant une personne d'ailleurs de grande sainteté, mais qui n'est pas la sainteté, qui est une illusion de sainteté, qui est le sommet d'un orgueil spirituel, qui n'est pas l'humilité de Dieu, mais qui est la tromperie des faux prophètes. Et ces empires sur le monde, puissance de l'argent, que promet Satan à ceux qui l'adorent. Et je voudrais en arriver à cette interrogation. Nous voyons, semble-t-il, partout la victoire de l'empire de Satan. Partout. Partout, ce sont des empires qui se répandent au mépris de notre Seigneur Jésus-Christ, du Verbe de vie, de celui qui a livré sa vie pour ceux qu'il aime, afin d'établir son royaume sur cette terre et son royaume céleste pour la vie éternelle de ceux qui croiraient en son nom et qui seraient baptisés, qui entreraient ainsi dans son royaume, régénéré de cette vie nouvelle. Mais nous voyons ici-bas, semble-t-il, la victoire de l'ennemi, la victoire de Satan, la victoire de son règne, la victoire de l'argent et non pas celle de Dieu. Partout, nous voyons le mensonge étendre son empire, amener les multitudes dans l'erreur, la tromperie, et courir après ce règne insatiable, ce règne tyrannique de l'argent. Ainsi, vous ne pouvez, dit notre Seigneur, servir, avoir de maître. Il faut servir ou Dieu, ou Mammon, ou Satan. Et il est assez remarquable si l'on regarde l'histoire. Parce que, assez souvent, il apparaît que l'on pourrait se dire, ce sont des châtiments que Dieu nous envoie. Nous ne sommes pas assez fidèles et Dieu nous envoie des châtiments pour nous corriger. Et il est vrai que dans le chapitre 6 du deuxième livre des Maccabées, les protestants, je crois, ne l'ont pas. Tant pis pour eux. Car ils ont enlevé une partie des Écritures pour pouvoir élaborer leur doctrine loin de l'autorité de l'Église qui a établi que toutes ces Écritures étaient des Écritures canoniques et saintes. Donc, dans ce deuxième livre des Maccabées, chapitre 6, il est dit que, effectivement, Dieu châtie ceux qu'il aime. Et il ne tarde pas à les châtier. Il leur apporte cette correction salutaire qui les fait revenir
à la vérité. Il les fait revenir à la vie. Tandis que, malheureusement, est-il dit aussi, il est certain peuple qui laisse aller jusqu'à remplir cette coupe du péché sans châtiment. Il laisse aller ses peuples jusqu'à l'abomination. Et il nous semble bien que nous voyons cela dans nos pays. Ainsi, semble-t-il, il ne s'agit pas de châtiment, mais du règne effectivement de Satan et de tous ceux qui le suivent, qui l'écoutent et qui constituent son empire, son royaume, tous ses suppôts qui ont abandonné Dieu ou qui ne l'ont jamais connu et qui ont toujours refusé d'entendre ses paroles et ne se fiant pas en celui qui est la bonté même, il se fie en celui qui est le menteur, l'homicide, qui écrase l'humanité par son orgueil, qui l'écrase sous ses empires qu'il propose à ceux qui l'adorent, lui qui n'est pas adorable, qui n'est que cet ange déchu et qui amène à la chute tous ceux qui le suivront. Mais ainsi nous sommes dans ces royaumes de catastrophe, dans ces royaumes de chaos qui répandent partout. Et le mensonge, et le meurtre, et le bannissement de tout ce qui est de Dieu. Je voudrais simplement vous citer à ce sujet-là une parole tirée d'un livre qui s'appelle « Quand les catholiques étaient hors la loi ». Ben, si vous voyez, livre très intéressant, on apprend beaucoup de choses. Je le recommande pour connaître notre histoire. Mon vote sera une déclaration d'athéisme et la manifestation du désir de voir disparaître de nos lois et de nos coutumes l'idée de Dieu. Effectivement. Effectivement. Nous avons là le règne maçonnique. C'est Adrien Meslier. Qui, dans ces temps de... une époque où c'est fait, où c'est préparé la séparation de l'Église et de l'État en France, c'est-à-dire de cet État qui deviendrait donc impie, qui se séparait de ce règne de Dieu, et donc qui s'adjoindrait à ce règne de l'argent, ce qu'on peut voir aujourd'hui comme étant la finance internationale qui écrase tous les peuples, au grand étonnement des multitudes, qui ne peuvent, semble-t-il, rien faire, et qui regardent en spectateur impuissant toute cette leur écrasement, leur soumission face à un pouvoir international qui semble régir tout et avancer partout ses pions. Voici encore ce que, dans une revue de 1902, en pleine époque, d'une laïcité antichrist telle qu'on l'a rarement eue. Voici ce qu'écrivait, dans une revue qui s'appelle La Raison, Laurent Taillade. Le prêtre, par la honte de son état, par la hideur infamante de son costume, vit en dehors de la loi commune, de la solidarité. Contre lui, tout est permis, car la civilisation a un droit de légitime défense. Elle ne lui doit ni ménagement, ni pitié. C'est un chien enragé que tout passant a le droit d'abattre, de peur qu'il ne morde les hommes et n'infecte le troupeau. Voici comment étaient traités aussi les religieux qui ont été bannis de leur monastère, de leur couvent,
23 septembre 1880, tout en conservant le portefeuille de l'instruction publique, c'est donc Jules Ferry qui devient président du Conseil et prend la direction du gouvernement, alors que les décrets du 29 mars sont applicables. Sans hésiter, il va les appliquer. L'expulsion des congrégations non autorisées est décidée. Non autorisée parce qu'on a décidé que c'était non autorisé. Jusque-là, c'était autorisé. Puis d'un coup, l'État maçonnique a décidé que c'était non autorisé, parce qu'il fallait chasser toute idée de Dieu pour mettre à la place le règne de Satan, le règne de l'argent, de la finance, qui ne se dévoile pas encore tout à fait, qui se cache encore sous certaines valeurs. Parce qu'il faut toujours des valeurs. Mais les vraies valeurs sont uniquement les valeurs financières. Nous le voyons de plus en plus aujourd'hui dans le prolongement de cet État laïque. Il prend la décision, la direction du gouvernement, alors que les décrets du 29 mars sont applicables. Sans hésiter, il va les appliquer. L'expulsion des congrégations non autorisées décidées. Dès le 16 octobre, deux communautés monastiques, les Carmes, rue de la Pompe, et les Barnabites, rue de Monceau, sont chassées de Paris. Le 4 novembre, les commissaires de police de la capitale sont convoqués chez les préfets Andrieux. Le lendemain, il faudra procéder à la fermeture de 11 couvents. À 6 heures du matin, le 5 novembre, les forces de l'ordre cernent les maisons désignées. S'étant concertées auparavant, leurs occupants étaient convenus d'observer la même résistance passive que les jésuites. Les fêtes se déroulent donc à l'identique. À l'extérieur se tiennent une foule d'amis et des religieux. À l'intérieur, des parlementaires et des journalistes venus pour témoigner. Le supérieur de la communauté émet une protestation solennelle contre l'arrêté d'expulsion qui lui est remis par les fonctionnaires. Puis les religieux, cédant à la contrainte, quittent leurs cellules en abandonnant les lieux, escortés par la police. Ils bénissent les fidèles et les injures ou même les bagarres avec les forces de l'ordre se soldent par des dizaines d'arrestations. Chez les franciscains de la rue Romainville ou les capucins de la rue de la Santé, les pompiers défoncent la porte de la hache à la hache. Chez les dominicains de la rue Jean de Beauvais, la troupe doit démanteler une barricade érigée dans le vestibule. Je ne vous parle pas, enfin je vais peut-être vous en parler, parce que si, on voit de même les chartreux de la Grande Chartreuse, dans la solitude de la Grande Chartreuse, qui sont expulsés de chez eux, des monastères qui sont chassés, des moines qui sont chassés des monastères par des régiments de l'armée. Ainsi nous voyons cet empire qui n'est pas celui de Dieu, qui n'est pas le règne de Dieu, mais bien plutôt celui que notre Seigneur a désigné comme étant celui de l'argent. Et nous savons que derrière, c'est celui de Satan. Cet argent qui n'a, comme on dit, pour dire que, qui n'a nulle morale, comme l'on dit, que son intérêt, qui n'est pas celui ni de Dieu, ni des hommes, qui écrase tout pour établir son règne qui apparaît comme une nécessité à ceux qui lui deviennent esclaves. Ainsi, nous voyons les quantités de congrégations enseignantes qui sont fermées, les religieux expulsés de France, exilés. Et c'est ce qui va faire d'ailleurs que un bon nombre vont partir en Afrique et vont pouvoir annoncer l'évangile en Afrique. Et c'est pourquoi les églises ont été florissantes longtemps en Afrique, et paraissent l'être encore aujourd'hui. Je dis paraissent parce que malheureusement, cette révolution, cette rébellion générale de ces droits de l'homme contre les lois de Dieu, les commandements de notre Dieu, contre ce règne de notre Dieu, s'est étendue dans ce que l'on croit être l'Église, qui se tient à Rome aujourd'hui, qui a établi dans ses constitutions, je le répète, les droits de l'homme universels et inviolables. Avec ces droits, comme disent aujourd'hui des présidents de ces républiques, des droits de l'homme, le droit au blasphème, et le droit à toutes sortes de déviances qui sont contre les lois de Dieu, qui sont des offenses aux lois de Dieu, qui sont des offenses, des injures faites à Dieu. Si nous voyons que ce qui paraissent être florissantes sont en fait sont en voie de pourrissement dans tous ces pays d'Occident,
pourrissement, à la fois moral, à la fois étiolement. Voyons encore les églises, dont certaines sont brûlées, ou tombent en ruine, ou sont rasées parce que la population a déserté à la suite de cet enchantement de ce règne de l'argent, de ce règne de Satan a déserté les églises et se trouve soumise quasiment en esclavage à ceux qui les dirigent, obéissant au doigt et à l'œil, levant des lois les plus iniques, qui va à leur perte, avec des dirigeants qui, en leur nom, font des lois qui vont contre leur volonté, contre la volonté de Dieu, contre la volonté des peuples, au nom de leur bien. Voilà. Au nom de ce bien suprême, quasi divin, de l'argent roi et de Dieu méprisé, oublié, insulté, bafoué. Lui qui a donné sa vie pour nous conduire à la vie éternelle, nous arracher à ce règne d'esclavage. Ainsi, nous pourrions nous demander, parce qu'il ne s'agit pas de ça, il s'agit de savoir comment se fait-il que nous en soyons là aujourd'hui et que ce soit toujours ces forces du mal qui semblent triompher. Car Dieu est effectivement tout-puissant. Et il pourrait balayer, pourrait-on dire, d'un revers de sa main, tout cet empire de Satan. Et sans doute, à son heure, le fera-t-il. Et au jugement dernier, il y aura des lieux qui seront réservés à ceux qui auront suivi ce règne, qui auront rejeté leur Dieu. Ils se tiendront malheureusement loin de la lumière divine, loin de cette joie divine, loin de cet amour divin, avec ceux qu'ils auront suivis tout au long de cette vie ici-bas, dans des lieux obscurs de la mort éternelle. Et là sera leur empire, un empire de néant, pour avoir suivi une poussière jaune de néant qui s'appelle l'argent. Poussière jaune ou argentée, ou en papier. Qui tourne tout au commerce, tous les comportements humains, qui tire parti de toutes les faiblesses humaines pour les développer afin de tirer profit dans un commerce infâme, indigne, ignoble. Pour en arriver là, nous avons vu, et je refais une petite récapitulation, je prends un autre livre, La Révolution française, chronique d'une hécatombe. Nous en sommes arrivés avant les années 1900, à ces années terribles de 1789, où nous avons vu l'abomination dévaster des royaumes très chrétiens. Cet empire de Satan a terrassé celui qui était le fils aîné de l'Église, ce roi très chrétien, ce roi de France, afin de pouvoir terrasser tous les autres royaumes. On a fait les lois pour arriver à cette fin, les lois les crimes les plus abominables. Il a fallu faire entrer la population dans ce mouvement de révolte, de rébellion, lui qui aimait son roi. Il a fallu faire entrer ce mouvement par le mensonge, dans ce mouvement de rébellion, de révolte contre son roi, contre son bienfaiteur, contre son père, car le roi était le père de tous ces peuples qui constituaient ces royaumes. Ainsi, il a fallu passer par le mensonge et des jugements iniques, en menaçant ceux qui étaient chargés de juger leur roi, menaçant de mort s'ils ne condamnaient pas à mort leur roi.
au milieu des égorgements dans Paris, au milieu des choses les plus abominables et les plus imaginables qu'on ait pu voir. Cette révolution satanique, de ces nouvelles lumières, de ces lumières financières auxquelles Voltaire, d'ailleurs, avait, dans lesquelles Voltaire avait ses actions, car Voltaire avait bien des actions, il tirait profit de l'esclavage. De l'esclavage de ces marchands qui avaient leur regard braqué sur l'Angleterre, qui avait déjà fait sa révolution auparavant, sa révolution financière. Et il invitait à se tourner vers cet abattement de l'ordre ancien pour s'enrichir, pour enrichir certaines catégories de personnes dont il faisait partie, vers une aspiration, vers un âge nouveau, un âge d'or, mais c'était plutôt l'âge de l'argent roi. Ainsi Voltaire a travaillé, lui qui était apparemment le grand admiratif des rois de France, grand admirateur des rois de France, et même admiratif de Louis XV, a travaillé à saper tout le principe religieux de la royauté, pour amener ce règne de l'argent. Et ce règne de l'argent qui avait donc été déjà établi, je le rappelle, je vais quand même montrer des choses ignobles qui ont eu lieu. Il faut quand même savoir que dans toutes ces abominations de cette Révolution française, par exemple, on attachait des religieuses nues, avec des prêtres nus, avant de les noyer, afin de souiller peut-être leur âme avant qu'ils meurent. Imaginez l'abomination. Écorcher des gens, les faire mourir sur des bateaux avant... couler ces bateaux et les gens mouraient dans ces bateaux, mais on a trouvé un moyen pour éviter de couler les bateaux, faire une économie, c'est-à-dire qu'on rendait hermétiques ces bateaux et les gens qui entraient dedans étaient asphyxiés. Et après ça, la fournée suivante jetait les morts à la rivière, dans le fleuve, et prenait leur place. Et c'était à leur tour d'être asphyxiés de la même manière. La Révolution a utilisé tous les moyens modernes, toutes les trouvailles de la science moderne pour arriver à ses fins, jusqu'à vouloir faire des espèces de bombes chimiques pour démolir toute une région. Ici, par exemple, il est question, le 12 juin 1799, c'est donc tiré de ce livre, La Révolution française, chronique d'une hécatombe, 1789-1799. Le 12 juillet 1799, on atteignit le paroxysme de l'horreur avec la loi des otages, votée par les assemblées, et que Fouché, nouveau ministre de la police, commenta ainsi à l'intention des autorités locales de l'Ouest. Dans ce pays maudit, sikh, il ne peut y avoir que des coupables. Vous devez employer sans ménagement la loi des otages. Elle nous permet d'emprisonner comme otages tous les suspects, aïeuls, pères, mères, frères ou sœurs des chouans. Elle autorise même à les fusiller s'ils essaient d'avoir recours à la fuite. Cette loi est large, élargissez-la encore selon les besoins de la situation. Prenez sur vous, le pouvoir vous soutiendra dans vos efforts révolutionnaires. Et il faut aussi savoir que ceux qui ne portaient pas la cocarde qu'il fallait porter... était passible de prison ou de peine de mort. Comme aujourd'hui, d'ailleurs, on rend un masque obligatoire afin de savoir qui est vraiment obéissant à ces édits des États qui sont dans la suite révolutionnaire. Car n'oublions pas que M. Vincent Peillon a quand même promis de terrasser définitivement l'Église et que cela passait par l'éducation nationale. Donc nous en sommes toujours dans ce mouvement de ces États qui ont choisi non pas Dieu pour maître, mais l'argent. Notre Seigneur nous dit Dieu ou l'argent. Et nous sommes là dans un nouveau monde qui n'est plus celui établi sur le fondement de l'Église, sur le fondement de celui qui a la vérité, de celui qui a donné sa vie par amour pour nous, comme le roi de France lui-même d'ailleurs a donné lui aussi sa vie pour son peuple, parce qu'il fut guillotiné injustement. Et d'ailleurs,
un signe que l'on a fait avec le Christ. Le peuple déicide avait dit que son sang retombe sur nous et sur les générations à venir. De la même manière, le peuple était assemblé, pas le peuple, mais certaines personnes qui étaient assemblées, qui ont vu la tête du roi rouler dans le panier, ont pris son sang et ses caillots de sang et les ont envoyés sur la foule en disant que son sang retombe sur nous, c'est-à-dire il nous a menacés de malédiction. En fait, le roi avait donné son pardon à ses assassins. Et je tiendrai maintenant à revenir à cette origine, car comment se fait-il, si ce n'est pas un châtiment, car le châtiment, comme il est dit dans ce chapitre 6 du livre des Chroniques, les châtiments sont donnés assez vite aux peuples qui sont aimés de Dieu, afin de les corriger. Là, nous voyons que ça fait 250 ans, que ce qui nous apparaît comme un châtiment arrive et se répand dans le monde entier comme une lèpre. En démolissant tout et pour établir son règne, n'a pas peur de bombarder des populations entières au nom des droits de l'homme, au nom des valeurs, de ses idéaux démocratiques. Nous voyons un mensonge qui est établi comme une lumière éblouissante qui éblouit les peuples entiers. Qui est une fausse lumière, car c'est le mensonge. Et derrière, c'est la puissance de l'argent. De l'argent qui tient tous les médias, qui tient tous ces... qui est la source véritable de toutes ces... de tout ce qui est appelé valeur de ces républiques. Ce sont les valeurs bancaires, les valeurs aussi sataniques, dont Satan se sert pour établir son empire sur les âmes, dans la dégradation des esprits, la souillure des esprits, le blasphème du nom de Dieu partout, l'entente avec tous les ennemis de Dieu ici-bas, et tous les ennemis du Christ qui a donné sa vie par amour pour les hommes, afin de les racheter à cet empire de Satan. Qui depuis le péché originel s'est établi sur eux comme leur maître, le laissant dans l'obscurité du mensonge, l'obscurité véritable qui apparaît vraiment comme obscurité face à cette lumière divine de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la lumière véritable, qui est la lumière du monde, pour éclairer toutes les nations, tous les peuples de la terre, tous les hommes venant en ce monde, tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants, pour leur ouvrir cette porte du paradis, cette vie bienheureuse pour laquelle ils sont faits, à laquelle ils aspirent de tout leur cœur, non pas à être trompés, pour être emportés dans des contradictions et dans des guerres permanentes, dans des divisions permanentes. Notre Seigneur est la communion, communion à lui-même, et par lui-même entre les hommes. Mais remontons un peu plus loin. Quelle est cette cause? Comment se fait-il que ce royaume de Satan s'étende ainsi partout? La chose est simple à comprendre. Notre Seigneur, nous le montre, comme nous le voyons au désert, face aux tentations de Satan, que lui promet ses empires s'il l'adore. Et cette gloire, s'il adore, ce prince déchu, cet ange déchu, qui, je le répète, conduit tout à sa perte, par le moyen de l'orgueil de ceux qui veulent être des dieux contre Dieu, en déshonneur de Dieu, du Dieu véritable, unique et vrai,
Ils veulent leur liberté propre, c'est-à-dire leur volonté propre, en dehors de toute loi, en dehors de tout de ce lien d'amour avec ce Dieu qui les a lui-même, qui a créé toute créature lui-même de ses mains, ou plutôt de sa parole, qui est son Fils bien-aimé, et à sanctifier, qui amène à sanctifier toutes ces créatures par cette vie véritable que lui seul donne, et que les hommes ne peuvent pas se donner à eux-mêmes. Pour l'homme, c'est impossible, mais tout est possible à Dieu. Pour Satan, c'est impossible également. Il est le roi de l'illusion, d'un empire de destruction et non pas de vie. Ce paradis de l'argent, qui est le sépulcre blanchi des ossements de mort, et c'est tout. Donc, revenons un peu plus loin, nous voyons que finalement, il y avait les Templiers. Les Templiers étaient devenus des banquiers, car des hommes de confiance. Ils étaient là pour la garde des pèlerins. Ils avaient été constitués pour permettre aux pèlerins de faire leur pèlerinage au Saint-Sépulcre, qui avait été démoli par les musulmans, qui avait été profané, et qui avait été interdit de pèlerinage chrétien. Comme si la Mecque aujourd'hui était interdite aux musulmans. Imaginez la réaction. Donc il a fallu faire cette croisade pour ouvrir cette route aux pèlerins, pour permettre le pèlerinage des chrétiens sur ce lieu si saint de cette résurrection du Christ, de ce lieu de cette résurrection promise à l'humanité entière, de cette promesse divine, de cette résurrection effective de notre Seigneur Jésus-Christ, sorti de son tombeau, qui est la résurrection de tout homme, promise à tout homme qui accorde sa foi en lui, cette résurrection bienheureuse. Ainsi, ces Templiers assuraient la sécurité des pèlerins, et c'était des hommes d'une grande probité, d'une grande confiance, et petit à petit, ils sont devenus des banquiers qui ont remetté ses biens, et les États même ont fini par remettre une quantité de biens à ces banquiers qui n'étaient pas des banquiers avec usure, qui n'agissaient pas avec usure. Vous pouvez faire confiance à ces sortes de moines soldats. Et effectivement, cet ordre a vu cette nouvelle vocation de banquier, mais voici que, malheureusement, était-ce au contact de cette terre d'islam, de cette terre nouvellement d'islam, parce que dans les années 1600, Jérusalem est passée sous contrôle de l'islam, mais auparavant elle était une terre chrétienne. Donc, était-ce au contact de l'islam que il y a eu comme cet échange, cette perte de la foi de certains Templiers. Toujours est-il que le pape François Boniface VIII a écrit une encyclique, et après enquête, il s'est trouvé que les Templiers avaient quasiment apostasié, et que pour entrer dans l'ordre des Templiers, il fallait cracher sur la croix du Christ et faire des cérémonies blasphématoire. C'était en secret. Et nous voyons que, après cela, cet ordre a été donc dispersé, a été éliminé. En France, le roi Philippe le Bel a fait brûler un certain nombre de Templiers, a donné cette peine de mort terrible pour ce crime abominable de ceux qui étaient des hommes en qui on pouvait avoir normalement toute confiance et qui trahissaient la confiance et qui trahissaient aussi leur Dieu, et qui minait de l'intérieur, d'une certaine manière, l'Église.
Et on peut voir que donc ces Templiers survivants, qui ont été, dont l'ordre a été dissous, ont eu une prolongation, et que l'on parle dans la franc-maçonnerie du rite écossais, qu'on parle d'un temple, et qu'on parle de signes secrets, de loges secrètes, de banques d'argent, et que la City de Londres, sous le temps de Cromwell, a aussi accueilli cette finance internationale qui s'est installée à Londres. Et c'est là que nous avons vu ces espèces de temples maçonniques commencer à rayonner à travers l'Europe entière pour établir leur nouvel ordre monétaire. Et nous pouvons penser que pour entrer dans ces ordres maçonniques, à l'origine, il y a bien eu, ce qui est à notre étonnement aujourd'hui, pour voir ce règne partout se répandre, cette adoration de Satan. C'est-à-dire cette espèce de pacte avec Satan qui promet ses empires à ceux qui l'adorent. Comment expliquer que ces forces du mal, ces forces de mensonge, ces forces de crime se répandent partout sur toute la terre sous des malheurs les plus apparemment les plus qui seraient presque les plus belles si elles honoraient Dieu, mais qui sont en fait ce règne déguisé qui avance toujours sournoisement, qui montre toujours une face et qui agit toujours de l'autre côté, par une porte très discrète, avec des agents toujours très secrets. Et c'est ainsi que ce règne de l'argent fait toujours ses affaires et compte toujours dans le secret ses intérêts, sans en parler, à ceux qui les biens sont soutirés, à qui on soutire très discrètement ou pour des motifs les plus légitimes, les biens des peuples, qui sont comme des moutons tonsurés, des brebis sacrifiées à ce nouveau culte qui n'est pas celui de Dieu, mais qui est ce règne du diable qui s'établit sur les empires. Ainsi, il est à craindre que dans nos pays, vu l'accroissement de cet empire du péché, vu que la coupe va bientôt arriver à son plein, et que nous ne pourrons pas aller beaucoup plus loin dans le péché, il est à craindre que ce ne soit pas des châtiments pour notre correction, que nous arrivions au jugement si nous ne nous convertissons pas et si nous ne revenons pas de cette séduction satanique. J'invite ceux qui écoutent cet entretien à réfléchir à ce qui est dit, à réfléchir à ces faits historiques que je viens de citer. Combien de millions de gens au nom des droits de l'homme ont été sacrifiés pour ce règne de l'argent qui n'est pas celui de Dieu. Le règne de Dieu était un règne qui fructifiait par des œuvres de charité multiples, des œuvres de gratuité multiples. Il suffit de considérer les filles de la charité, voir l'œuvre de Saint Vincent de Paul, de voir des Saint Martin, de voir tous ces actes de dévouement, tous ces chrétiens qui se livraient eux-mêmes pour libérer les captifs de l'esclavage dans ce qu'on appelait la barbarie, qui était en gros l'Algérie, la Tunisie actuelle, où étaient concentrés des tas d'esclaves qui étaient rasiés en Europe et amenés là-bas pour être vendus. Et il y avait des gens qui se donnaient eux-mêmes, qui donnaient leur argent et qui se donnaient eux-mêmes. Il y avait des congrégations qui étaient faites pour le rachat des captifs, leur libération, l'ordre des Trinitaires, mais quantité d'autres. Saint Dominique a lui-même voulu se donner
a vendu ses livres et a voulu se donner lui-même. Il en a été empêché à un moment, et finalement les personnes ont été libérées autrement. Parce qu'il faut savoir qu'en Espagne, il y avait déjà l'islam. Ce n'est pas la peine d'aller bien loin pour trouver l'islam. Il y avait des esclaves, des gens qui étaient captifs, on trouvait, sans aller bien loin. Ainsi, nous avons vu que ce règne du Christ, qui donne sa vie pour ceux qu'il aime, pour cette humanité, a été suivi par tous ceux qui sont entrés dans ce règne de Dieu, ce règne du Christ, par cette porte du baptême, par cette foi en ses paroles. Celui qui a foi en ses paroles agit selon ses commandements et imite celui qui a donné sa vie pour ceux qu'il aime, pour cette humanité. Ainsi, tous les chrétiens entrent dans ce mouvement de ce don d'eux-mêmes pour le salut des hommes et pour la gloire de leur Dieu, de ce Dieu qui a témoigné tant d'amour. Mais ce n'est pas là le règne de l'argent, qui a toujours été le règne sanguinaire. Bien sûr, les rois ont défendu contre ce règne sanguinaire qui avait tendance à envahir, à faire ce règne de l'argent, à les renverser par des seigneurs d'ailleurs indignes, qui n'étaient pas du tout des gens de foi, mais des gens justement du monde, de ce règne du monde, qui était plein non pas de l'esprit de Dieu, mais de l'esprit de Satan. Il fallait faire une opposition pour protéger les peuples qui étaient sous leur autorité, sous leur responsabilité, sous la responsabilité de ces princes et de ces rois très chrétiens, qui donnaient eux-mêmes leur vie, ainsi que lui, Louis XVI l'a fait. Mais ce n'était pas le seul. Quand ils étaient sur un champ de bataille, ils donnaient leur vie eux-mêmes. Ils étaient à la tête de leurs troupes et donnaient leur vie pour leur peuple. Nous voyons Saint Louis, les fers aux pieds ou aux mains, traînés prisonniers dans les géoles de l'islam, en Égypte. Il en imposait par son humilité. Tout le monde était impressionné. Comme nous voyons Saint François qui va au travers des lignes des croisés pour aller convertir le sultan, le prince musulman. Il se livre aux musulmans. Il se livre, il est là, à leur merci. Et il va parler à ce chef qui l'écoute admiratif. Saint François propose, voyez qu'on est loin du règne de l'argent, d'entrer dans une chaudière d'eau bouillante. Et s'il en ressort vivant, ce sera la conversion de ce prince, de ce sultan de l'islam. Le sultan a refusé et a admiratif à renvoyer Saint François au-delà des lignes des croisés. Et donc Saint François n'est pas mort martyr. Peut-être à son regret, mais s'il était entré dans la chaudière, je pense qu'il en serait sorti vivant. Donc, je voudrais dire, pour ceux qui sont étonnés de voir ce règne abominable s'étendre partout comme une lèpre, sans que rien semble résister, eh bien, nous pouvons penser qu'il y a bel et bien eu un pacte, et que tous ceux qui entrent dans ce service de ce règne, entrent même inconsciemment dans ce pacte, et font allégeance à ces chefs qui ont fait ce pacte. Ils sont donc des suppôts de ceux qui ont fait ce pacte, et je les invite à réviser leur position et à voir qu'il y a plus de dignité à renoncer à ce règne, à cette richesse, à ces biens, pour cette vie si belle, de cet amour divin qui se donne à nous, qui est toute notre vie, toute notre noblesse, toute notre joie, toute notre paix, toute vérité. Ainsi, il y a plus d'honneur à combattre pour cette vérité qu'à courir après ces suppôts de l'argent, après des gains et des intérêts, au détriment de leurs frères, des intérêts passagers qui les amèneront dans des récompenses éternelles selon leurs œuvres, les œuvres ténébreuses qui auront des ténèbres pour récompense éternelle.
Demandons à notre Sainte Mère, la Vierge Marie, de nous éclairer, de changer nos cœurs, de nous détacher des biens de ce monde, de nous détacher de ce règne de l'argent, pour suivre celui de notre Seigneur qui a donné sa vie sur la croix par son sang versé pour le rachat de nos péchés, afin de nous tirer de ce règne de Satan et de nous tourner vers celui de son Père, en qui est toute plénitude de gloire, de joie, de paix, toute vérité, toute lumière. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.